Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo produits terminés. J'ai énormément de produits à vous montrer, donc je pense que je vais faire ça en deux parties. Ce sera, je pense, plus agréable pour vous qu'une grosse vidéo d'une heure, voire 1h15, parce que j'ai vraiment énormément de produits à vous présenter. Donc je pourrais pas tout vous montrer comme ça, parce que ça risquerait de tomber. Mais je vous montre, regardez le sac, il est juste énorme, ben, ça prend à peu près tout ça. Voilà, j'aurais peut-être dû vous la faire avant, mais bon, j'ai pas trop eu le temps. Alors, je vais prendre un petit peu les produits comme ils viennent, et c'est parti. Alors, en premier, j'ai voulu tester ça. Donc, en fait, c'est les strips purifiants de chez Diadermine. Donc, en fait, ça se présente sous la forme d'un petit tissu, en fait. Vous enlevez une petite pellicule, vous le mettez ici. Enfin, moi, je l'applique ici, en fait. Mais vous pouvez appliquer également sur le menton et sur le front. Et c'est censé, en fait, retirer les impuretés et les points noirs. Alors, quand je l'ai appliqué, enfin, il conseille, en fait, de mouiller un petit peu la zone et de l'appliquer, de laisser poser quelques minutes, enfin, 10 à 15 minutes. Et en fait, le petit tissu sèche et quand vous l'enlevez, ça fait un petit peu, enfin un petit peu mal, non. Ça tire un petit peu et c'est censé enlever les points noirs. Donc, j'ai pas énormément de points noirs, mais un petit peu, hein, je pense comme tout le monde. Ça enlevait bien, après c'est pas extraordinaire non plus. C'est pas mal, je sais pas trop au niveau du prix combien j'ai payé ça, je crois 5€. À peu près, je voudrais pas vous dire de bêtises, en tous les cas je listerai tous les produits en barre d'infos avec les liens en fait où vous pouvez les trouver. J'ai trouvé ça bien, mais bon, je pense pas que je le rachèterai parce que je pense que c'est plus un gadget en fait qu'un produit plutôt efficace. Après, j'ai terminé un masque pour les cheveux. Donc celui-ci, c'est le masque nutrition au lait de karité et au miel pour les cheveux secs et cassants du Petit Marseillais. Donc c'est un masque que j'avais depuis très longtemps, mais que j'avais jamais fini en fait. Il sentait très bon, ça c'est ce que j'ai énormément apprécié dans ce masque-là. C'est un masque du supermarché qui fait bien son travail, on va dire, mais c'est pas extraordinaire non plus. La texture est assez liquide, je trouve. Après, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que l'odeur du masque, en fait, reste vraiment sur les cheveux. Quand je suis sortie de la douche, que je me suis séché les cheveux, etc., j'avais vraiment, en fait, l'odeur qui restait vraiment sur mes cheveux. Donc ça, j'ai énormément apprécié. Après, non, je le rachèterai pas parce que, comme je vous ai dit, moi, j'aime les masques qui sont beaucoup plus compacts. Et du coup voilà, non, je pense que je le rachèterai pas. Après, j'ai terminé un déodorant donc de chez Dove. C'est le déodorant original antitranspirant 0 alcool 48 heures, donc enrichi à vitamine E. C'est un déodorant que j'apprécie énormément. Je prends tous mes déodorants Dove en fait, que ce soit l'original ou le Invisible Dry, je crois qu'il s'appelle comme ça. Celui-ci est très bien. Le petit désavantage, on va dire, c'est que quand on se le met sous les bras et qu'on va mettre un t-shirt par-dessus, ça fait des traces en fait. Et c'est ça que j'apprécie pas vraiment. Après, l'odeur est très agréable. Il fait très bien son job, mais c'est vrai que je préfère le... Je crois que c'est ça, Invisible Dry, qui du coup ne fait pas de taches. Donc celui-ci, je le rachèterai pas, mais j'achète toujours mes déodorants Dove. Après, j'ai terminé... Ah ben voilà, celui que je vous parlais. Donc celui-là, c'est le Invisible Dry. Donc en fait, il est censé ne pas faire de traces. C'est celui qui est en compressé. Alors, pour vous dire la vérité, entre celui-là et celui-là, je trouve, enfin, pour ma part, je sais pas si c'est réellement le cas ou pas, qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de produits dans celui-ci. Ils disent comme quoi 100 ml équivaut à 200 ml. C'est équivaut à ça concrètement. Moi je trouve qu'il dure beaucoup moins longtemps, mais bon, après je rachète toujours celui-ci parce que je trouve quand même qu'il est pratique à mettre dans le sac si on a envie de se rafraîchir un peu dans la journée, etc. Je le fais pas vraiment non plus, mais bon, j'aime bien avoir ça dans mon sac. Et c'est vrai que il ne fait pas du tout de traces sur les vêtements, il sent très bon et il fait très bien son job. Donc celui-ci, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté et j'aime beaucoup. Après, j'ai terminé également de chez Yves Rocher. Alors, je crois que j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Donc, je vous les avais déjà présentés. C'est les gommages végétaux, poudre d'abricot, toute peau. Ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Pardon. Il est génial. Je le trouve très bien. Beaucoup de grains. Il exfolie très bien. Il est... Enfin, il fait vraiment bien son job. Charlie l'utilise aussi parce que il se rase tout le corps.
Et on l'aime beaucoup en fait, on l'achète à chaque fois. C'est vrai que ce qui est bien avec Yves Rocher, c'est que moi je reçois des petites cartes, vous savez, tous les mois, il y a beaucoup de réductions. Donc en fait, on ne paye jamais le prix fort sur leurs produits. Donc oui, on l'a déjà racheté. En attendant, on est en train d'utiliser celui de chez Soap & Glory que j'ai acheté à Paris. Mais ça, c'est sûr, on rachète à chaque fois. Après, j'ai terminé l'hydratant de chez Le Petit Marseillais. Donc c'est le douceur peau sèche au lait de coton, coquelicot et amande douce. Donc ils disent comme quoi il y a un confort 24 heures. Je l'ai trouvé très agréable. L'odeur est très très agréable, c'est très réconfortant, c'est fleuri, mais pas trop entêtant je trouve. Il fait très bien son job, c'est un bon hydratant. Après, si vous avez la peau qui est extrêmement sèche, je suis pas sûre que ça soit un produit qui soit très adapté. J'ai pas regardé. Je sais pas vraiment s'il y a de l'alcool ou pas à l'intérieur. J'ai jamais utilisé ce produit là juste après m'être rasée en fait. Donc je pourrais pas vous dire s'il faut l'utiliser après s'être rasée, que ça peut brûler avec de l'alcool ou pas être agréable du tout. En tout cas, il fait très bien son job. Moi, j'ai pas la peau qui est extrêmement sèche non plus. Donc du coup, il est top. J'ai d'autres produits à terminer, donc pour le moment, je le rachèterai pas. Mais si j'avais besoin d'acheter un lait hydratant, c'est sûr que je le rachèterai. Après, j'ai terminé ce gel douche que je vous ai déjà présenté. Donc c'est le gel douche de chez Dove, douche crème douceur d'enfance à la tartelette à la fraise. C'est une odeur qui est super agréable, c'est une odeur très sucrée. Après on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que j'avais acheté des petits lots en fait qui faisaient par deux et j'aime toujours autant en fait. Donc c'est vrai que à vrai dire à la fin des deux, quand on utilise vraiment les deux d'un coup, c'est un petit peu lassant, mais moi j'avais utilisé le premier et j'avais pris un autre gel douche entre temps, donc c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié et je pense que je vais me le racheter. Après, je mets tout là, j'espère que je vais avoir assez de place. J'ai terminé également un gel douche de chez Victoria's Secret. Donc j'ai eu la chance d'avoir des produits Victoria's Secret et Soap & Glory parce que ma maman est partie à Londres au mois de janvier. Elle m'a rapporté quelques petits produits et dont ce gel douche là. Donc c'est le Ultra Rich Cream Wash Coton Moisturizer Complex. Alors c'est une mousse légère pour un nettoyage nourrissant chaque jour, douce au toucher, ultra soyeuse, enfin il est très hydratant. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est l'odeur. Concrètement, l'odeur, elle est juste à tomber par terre. C'est une odeur vraiment crémeuse, vraiment vous savez, un petit peu comme je sais pas si vous avez déjà senti la bougie de chez Yankee Candle Clean Coton qui sent le frais, qui sent le propre. Ben là, c'est en fait, c'est un petit peu la même chose. Et c'est super agréable. Donc par contre, petit bémol, le prix, 14 livres. Donc concrètement, c'est hyper cher. Je pense pas le racheter parce que pour moi, c'est vraiment trop cher pour un gel douche, même s'il est très bien. Mais après, je l'ai adoré. Après, j'ai terminé également, donc comme toujours, je vous ai déjà présenté les petits sérums de chez Clinique, donc Clinique Smart Serum. Moi, je les achète en petit format, en 10 ml, mais à 9 euros que je trouve sur le site Beauty Secret, parce que les grands contenants font 70 de mémoire pour 30 ml et 40 ml pour 100 euros. Alors que vous en prenez 4, concrètement, ça vous fait la moitié du prix. Donc bon, voilà, ils sont géniaux, ça enlève toutes les petites taches. Enfin, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un que je vois un bouton, je le fais directement. Et ça me fait des petites taches, en fait, à chaque fois. Ça enlève tout, ça lisse la peau. Enfin, c'est vraiment génial. Donc oui, je l'ai déjà racheté. Je vais mettre ça là. Voilà. Après, j'ai terminé deux fonds de teint. Donc j'ai terminé mon fond de teint infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal que j'ai adoré. J'ai essayé de me le retrouver, donc je suis allée chez Sephora. J'ai pas trouvé ma teinte parce que moi j'ai la teinte 12 naturelle rosée. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Chez Sephora, il commençait dans les teintes numéro 20. Donc j'ai pas trouvé, je suis retournée dans un supermarché, je l'ai pas trouvé non plus, donc j'étais vraiment déçue. Mais si je peux me le retrouver, je me le prends parce qu'il est vraiment génial. Il fait un effet parfait en fait, il fait un effet peau de pêche, il fait pas placard sur la peau, il est génial. Moi, il m'a pas fait de bouton, donc ça je rachète, c'est sûr.
Et également en fond de teint, j'ai fini le fond de teint de chez ELF avec de l'arbre à thé à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est pas du tout le même type de fond de teint, je trouve. Celui-ci est très opaque. Il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça fait vite placard sur la peau et c'est pas beau. Et il est vraiment très très bien. Je l'ai racheté déjà. Je trouve que si vous avez vraiment... Enfin... Je vais pas dire pas mal d'imperfections parce que moi j'en ai quelques-unes mais pas énormément. Mais c'est vrai que quand j'ai touché un bouton, que j'ai une petite croûte, etc. Je vais mettre ce fond de teint là et ça va très peu se voir. Après, si vous avez énormément d'imperfections avec localisées sur les joues, sur le front, je sais pas si ça pourra vous aider. En tout cas, ça assèche les boutons également parce que vous avez l'huile essentielle d'arbre à thé à l'intérieur. Et il est génial, pas cher du tout en plus. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà racheté. J'ai fini plusieurs masques pour le visage. Alors en premier j'ai utilisé, parce que c'est qu'une seule utilisation, le masque yeux perles de chez Sephora que j'ai adoré. Franchement il est génial. Donc c'est deux petits papiers, je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, que vous mettez en fait sous les yeux, vous laissez poser et c'est censé uniformiser l'éclat. Et j'ai trouvé vraiment que ça me lissait un petit peu les petites ridules, même si j'en ai pas énormément non plus parce qu'à 24 ans on n'a pas énormément de rides, mais des petites ridules juste ici, ça donnait un petit éclat sous les yeux, qui ça atténue un petit peu les cernes, tout ça. Enfin vraiment je l'ai trouvé très très bien, donc celui-ci je le rachèterai. Et également de masque de chez Sephora, j'ai utilisé celui que je vous ai présenté dans mon haul où j'ai fait le concours, donc c'est le masque main à l'avocat. Donc j'étais un petit peu sceptique la première fois que je l'ai utilisé parce que, à vrai dire, ça fait un petit peu 15 jours que j'ai pas trop hydraté mes mains, je sais c'est pas bien, mais j'avais les mains qui étaient ultra sèches, en plus avec les examens j'arrache un peu les peaux, tout ça, enfin c'est pas bien du tout. Et je me suis dit bon allez on va tester, c'est censé vraiment renourrir, rendre les mains hyper belles, etc. Donc ça se présente de la façon suivante, tout simplement des gants qui sont relativement grands par contre. Après j'ai des toutes petites mains mais c'est vrai qu'ils sont très grands. Et en fait vous avez une petite lanière juste ici que vous tirez et que vous collez. Du coup ça va faire tenir le gant. Donc vous pouvez pas faire grand chose par contre pendant 15 minutes. C'est 15 minutes d'application, oui c'est ça. Mais après c'est vrai que j'ai senti que le produit en fait rentrait dans ma peau. Et quand je l'ai enlevé et que j'ai refait pénétrer en fait le surplus de produit sur mes mains, j'ai senti vraiment une différence. La peau ne me tiraillait plus, ça me faisait plus un effet de peau sèche, un peu de crocodile, etc. C'était pas non plus mirobolant dans le sens où après j'avais pas non plus le bout des doigts régénéré ou c'est que j'avais un petit peu arraché, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais plus cette sensation de tiraillement, j'avais la peau qui était pour moi hydratée. Donc ça c'est vraiment super et ça c'est sûr que je le rachèterai. Après également un masque, donc ça c'est un masque de la marque Iwaseo, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. C'est un masque tissu visage coup de fouet anti-fatigue, donc j'ai reçu ça dans la Birchbox ou Glossybox, je sais plus, du mois de mars. Et je l'ai trouvé bien, après c'est vrai que j'ai pas trouvé que ça faisait non plus un... C'était pas miraculeux sur la peau en fait, c'était pas... C'était bien, j'ai trouvé que ma peau était fraîche, était repulpée, etc. Mais ça faisait pas non plus des miracles comme ils disent, anti-fatigue, coup de fouet. J'ai pas senti que ça me faisait un effet super bonne mine, etc. sur ma peau. Donc celui-ci, non, je rachèterai pas. Après j'ai terminé une crème pour les mains, donc comme je vous l'ai dit que ma maman est partie à Londres, elle m'a rapporté la N-Food, donc la crème de chez Soap & Glory que tout le monde parle. Elle est géniale cette crème, niveau odeur ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent les filles, enfin j'adore. Donc là c'était le petit contenant, celui de 50 ml. Si j'ai la possibilité de me retrouver, je me la prendrai. Je pense que ça doit coûter quand même un petit peu cher, mais en tout cas elle est très très efficace. Moi c'est vrai que pour vous dire un petit peu la vérité, je vais souvent faire pipi dans la journée parce que j'ai quelques problèmes de reins. Et du coup je me lave à chaque fois les mains forcément, et je m'hydrate les mains à chaque fois parce que l'eau avec le calcaire etc, ça assèche les mains. Et celle-là de crème, elle était géniale, j'avais la peau de pêche quoi. Vraiment les mains toutes douces, super agréable, en plus l'odeur elle restait, donc oui je rachèterai si j'ai la possibilité de le retrouver.
Écoutez, voilà, on va en finir là, pour la partie hum, parce qu'il me reste encore beaucoup de produits. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, comme je vous l'ai dit, pour pas que ce soit lassant pour vous. J'espère que ce petit déballage de produits vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé tel ou tel produit que j'ai présenté et si, ben, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu pour telle ou telle raison. Moi ça me permet aussi de voir ben, si je suis la seule à apprécier ces produits là ou pas. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et déjà dans la partie 2.